Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Moïka pour les nouveaux ici et je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo de moi. Alors comme vous l'avez vu déjà dans l'intro et dans le titre de la vidéo, je vous viens avec un clean with me. Donc ces vidéos là, moi je les adore, c'est vraiment thérapeutique je trouve de regarder quelqu'un qui fait le gros ménage de son bordel. Donc pourquoi pas faire mon ménage de mon bordel avec vous. Donc en gros, cette vidéo, j'ai vraiment pas pu le faire au complet comme que je le voulais. Il y avait beaucoup plus de choses que j'aurais pu vous filmer, mais honnêtement ça n'a pas été trop évident avec le reste de mes occupations, que ce soit mon travail, les enfants et tout et tout. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la cuisine, le retour de course, le salon et la salle de lavage. Et si vous aimez vraiment cette vidéo, laissez un bon like et un commentaire et je vous en ferai un autre où ce qu'on irait vraiment avec la chambre, nettoyage des matelas en profondeur, les murs et tout ce qui est autre du gros ménage dans une journée. Donc en gros on avait des négliger un peu la maison ces dernières semaines. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de faire un clean with me et de nettoyer le tout avec vous. Donc je vous amène avec moi dans mon ménage. Je vous laisserai tous mes produits préférés nettoyants en barre d'infos si jamais ça peut aider des personnes. Moi, j'adore essayer des nouveaux produits nettoyants, donc n'hésitez pas à me laisser savoir vos favoris, que ce soit pour des électroménagers en stainless ou simplement des produits tout usage également. Donc, laissez-moi savoir. Moi, j'adore essayer des nouveaux produits, surtout s'ils sont super bons. Thank you.
Donc, un gros merci à la compagnie Ultenic de m'avoir envoyé leur humidificateur intelligent d'air. Ça fait assez longtemps que j'en voulais un car je souffre d'allergies saisonnières et la nuit, en hiver, c'est vraiment difficile pour moi de respirer. L'air devient sec assez rapidement avec la chaleur du chauffage et souvent, on termine avec les enfants dans nos lits. Donc, on est quatre à respirer dans une petite pièce et c'est vraiment pas évident pour moi. Je me suis déjà réveillée pendant la nuit et je saignais du nez. Et c'est aussi un bon outil à avoir à la maison lorsque les enfants sont malades, enrhumés ou engrippés. Ça va vraiment venir aérer tout l'air de la pièce. Il est de 4,3 litres, donc vraiment pas besoin de le remplir tout le temps. C'est vraiment un remplissage qui peut durer toute la journée et aussi ça va venir vraiment humidifier l'air de la pièce au complet. Contrairement à ceux qui sont un peu plus petits, qui vont prendre plus de temps à faire un changement ou à ressentir le changement dans l'air. Il est également compatible avec Alexa, donc si vous en avez une, vous pouvez toujours lui parler et elle va activer la machine pour vous ou sinon elle vient également avec une télécommande. Donc, il y a plusieurs fonctions, dont le mode baby mode, le mode silencieux, le timing setting, qui veut dire fonction de temps, et la lumière LED. Donc, il y a différentes sortes de lumières. Vous allez le voir dans un instant. Et c'est simple à remplir. Vous allez voir, je vais également vous montrer ça. Et ce que j'aime le plus encore, c'est qu'il y a également une fonction d'huile essentielle. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi les humidificateurs d'air à huile essentielle. Donc, c'est la même genre de machine, mais c'est vraiment pour venir donner une odeur à la maison. Donc, vous achetez des gouttes et vous le mettez dans la machine et ça va aérer. Mais celui-là, c'est un 2-en-1. Donc, vous pouvez autant humidifier l'air de votre maison et aussi utiliser la fonction d'huile essentielle pour venir aussi mettre une odeur. Et ce qui est bien, c'est que si vous le mettez dans la chambre des enfants, vous savez que l'huile essentielle, c'est pas trop bon pour un enfant naissant. Alors, vous mettez le mode bébé et l'huile ne sortira pas. En fait, l'air va seulement être l'air de la vapeur, que ce soit chaude ou froide, vous choisissez l'option que vous voulez et ça va s'automatiser de lui-même. Donc, j'adore vraiment plusieurs fonctionnalités. Moi, vous savez, les gadgets, I love that. Ça simplifie la vie et le quotidien de nos enfants et de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc, bien sûr, j'ai un code promo pour vous que je vais vous mettre à l'écran ainsi qu'en barre d'infos et le lien du produit. Vous allez pouvoir le trouver sur Amazon et en plus, il est disponible en Amazon Prime. Mon code est valide jusqu'au 4 janvier. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous si vous voulez pouvoir obtenir un rabais sur le prix initial. Donc, vraiment, un gros merci à Ultenic de m'avoir envoyé cet humidificateur. Je l'adore et en hiver, ça favorise tellement, c'est tellement un avantage en fait parce qu'au lieu de devoir ouvrir les volets des fenêtres pour aérer et de risquer de tomber malade à cause des bactéries qu'il y a dehors, ben ça, c'est carrément un remplacement de devoir ouvrir les volets pour aérer. Ça aère de lui-même. Donc, quand je fais un gros ménage comme ça, que je sais que je vais utiliser des produits, que je vais nettoyer les murs, des choses qu'on nettoie pas forcément tous les jours parce qu'ils ne sont pas sales, j'aime bien faire pièce en pièce. Donc, je commence toujours avec la cuisine. Ensuite, je passe au salon. Après, on fait les pièces d'en arrière. J'aime pas trop me déplacer de pièce en pièce parce qu'après ça, on dirait que je perds le contrôle de ce que je fais. Et aussi, c'est risqué avec les enfants qui courent un peu partout. Si vous mettez un produit sur une table et vous voulez le laisser agir, des fois, on peut oublier de passer un linge et là, l'enfant, il passe avec un jouet, puis non, on veut pas ça. Donc, je suis vraiment concentrée dans la cuisine, puis j'ai reçu mes courses entre-temps, puis j'avais totalement oublié parce que j'aurais jamais fait un clean with me pendant que j'ai un retour de course, mais ça l'a bien tombé, donc j'en ai profité pour nettoyer également mon frigo. Et après ça, on va ranger les courses, et Reggie, lui, s'occupait du salon entre-temps, les jouets qui étaient sous les meubles et tout. Thank you.
Thank you.
Donc, je vous laisserai également cet aspirateur en barre d'infos que j'avais reçu de la compagnie Red Road. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez sûrement vu la routine du soir ou du matin, je pense, que je faisais avec cet aspirateur-là. Et également, la machine que je vais utiliser par la suite pour nettoyer les sofas. Donc, moi, j'ai des sofas en cuir. Donc, à la base, cette machine, c'est vraiment pour les tissus, mais ça fait l'affaire quand même. Ça nettoie super bien. Donc, au lieu que je sois là à frotter avec une guenille, je préfère amplement utiliser une machine qui m'aide à faire le travail. C'est une machine que vous m'aviez recommandée il y a longtemps sur Instagram après avoir vu une vidéo de la youtubeuse française Lovely Lou, je pense, qui avait fait une vidéo vraiment amazing sur cette machine. Donc, c'est celle à ma mère et je lui emprunte quand que j'en ai besoin parce que j'en ai pas forcément besoin souvent. Mais pour le gros ménage, ça fait vraiment l'affaire. Donc, dans une prochaine vidéo, je ferai les matelas. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez voir ça. Alors, la vidéo se tire à sa fin. Donc, je vous dis un gros merci si vous avez suivi jusqu'ici, d'avoir écouté. N'oubliez pas de like, de laisser un commentaire si vous voulez une autre partie ou ce que je fais, un gros ménage d'autre chose. Comme je vous ai dit, j'avais l'intention de faire beaucoup plus que ça, mais la journée passait trop vite et il fallait que j'aille à mes confections. Donc, c'est Reggie qui s'est occupé du reste du ménage. Donc, la prochaine fois qu'il y aura un gros ménage à faire, je prendrai le temps de filmer si ça vous intéresse. Alors, un gros merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je sais, j'ai faussé.